Bonjour tout le monde, c'est pas pire, hein? C'est une lampe que mon ami de l'Observatoire Carefree en Arizona, Marty, celle que je vous dis qui est mon partenaire de travail, il m'a donné ça comme cadeau. C'est une petite lampe, comme ça j'ai la lune à tous les soirs. Elle a l'air réel, hein? Bienvenue tout le monde. En infrarouge, avant qu'on va sur la lune pour voir des structures sur la surface, j'ai pogné ça avec mon infrarouge. Ça, c'est plutôt rare qu'on pogne ça. Puis là, c'est sûr que tout ce qui passe devant la caméra infrarouge va être capté. Et c'est sûr que la lumière qui est alentour des objets est beaucoup plus large que l'objet. Ça, c'est sûr et certain. Mais, regardez ici, on va le voir une dernière fois, puis on va le voir en inversion. Ça, c'est quand même un objet très, très gros. Ou que c'était très proche. Là, oublie pas, là, ça, c'est filmé avant qu'il y ait des... Il n'y a pas d'insectes dehors, là. C'est l'hiver, là. J'arrive, là. Là, il va en avoir des insectes. Il n'y en a pas encore, il fait fret, là. Mais ça s'en vient. Couple de jours, il va en avoir. On s'en va voir la surface du cratère Bianchini. 237 000 pieds carrés, 410 km par 265 km. On parle de sinus iridum. L'élévation qu'il y a en arrière... Pourquoi que je réussis à le voir comme ça? Parce que c'est sur le long de la ligne du Terminator. Si tu vas voir, la NASA, il montre même Sinus Iridum de très très loin, mais tu peux quand même voir les mêmes caractéristiques. Des plumes, des gaz ou des poussières colorées. Ça, c'est très important. Ça, c'est naturel, il n'y a pas de filtre ici, là. C'est pas coloré. Là. La surface a des gaz colorés, vert, mauve, tu peux le voir à certains endroits. Que ce soit à cause de la réfraction, c'est pas grave, c'est des gaz de couleur. Aristarque, de très très près, ça c'est au-dessous, sur le côté sud, tu vois carrément le trou qu'il y a là, tout près de Aristarque. Va voir sur n'importe quel télescope en comparaison de plus loin, les lignes et les objets sont vraiment là. Mais sauf, tu regardes une image tout embrouillée. Pourquoi que j'ai réussi à quasiment tout débarrasser de cette image-là, de tout ce qui est embrouillé, les vagues? Ben un, à cause qu'on n'est pas l'été, l'hiver, on a toujours une image plus claire. Et deux, carte de son, carte vidéo, une bonne carte USB, un bon appareil photo, là, je te parle de 5-10 000 mon appareil photo. La qualité, plus de mégapixels tu vas chercher, mais à un moment donné, là, les vagues, tu vas les voir presque nulles. Le Mare Fecunditatis sur la Lune, cet endroit est spectaculaire. Quasiment des grosses lignes massives, quasiment carrées, des lignes qui passent une à côté de l'autre, massives. C'est quoi qui passe dans ces fameuses lignes-là? Il y a certains qui parlent de cet endroit-là en étant même une tour sur la surface. On dirait une tour gigantesque sur deux pattes là, que tu peux voir, ou trois pattes. Hein? C'est quoi ces fameuses bosses sur la surface? Et encore, remarquez toujours la ligne noire quand je vous montre de la surface où il y a une élévation. Sinon, on n'en voit pas d'élévation. On peut en avoir un peu, mais c'est vraiment... très, très peu. Mais là, il y a plus qu'une bosse, là. C'est des centaines de bosses, puis une à côté de l'autre, en symétrie. Là, on va parler le reste du vidéo, la plupart du reste du vidéo, de la mer, de la sérénité. Je dis toujours le Mare Serenitatis, ça, c'est en latin, donc on dit. Je l'ai appris en latin, mais c'est ça, regarde tous les angles. Ici aussi, le Mare Crisium, les différents angles avec les librations et quand la Lune fait ce petit check-là qui revire là, à chaque phase de la Lune, qui fait une rotation. Nous voilà dans la mer de la sérénité. Voyez-vous quelque chose de bizarre? Un rectangle parfait et les trois lignes où ce que Apollo 17 ont déclaré avoir atterri exactement à l'endroit. Fait que moi, je crois pas qu'ils ont été, surtout pas par la manière qu'ils nous l'ont dit, public. Peut-être ils ont été, ou quelqu'un y était, ou peut-être c'est des aliens, blabla. Peu importe, regarde-moi ça. Ça, c'est à moins de 60-70 km exactement de l'endroit où Apollo 17 ont atterri dans la mer de la sérénité. Le Mare de la sérénité, on va dire. Hein? C'était une mer. Pourquoi qu'ils appelaient les mers dans le temps? Ça va peut-être de l'eau. Le voyez-vous bien, le rectangle?
On va le revirer de l'autre bord. On va voir les profondeurs, le depth, si vous voulez, de la sérénité. Je suis vraiment pas habitué de le dire. Moi, c'est Mare Serenitatis que je dis. Mare Serenitatis en latin. Mais regarde le depth et regarde la profondeur. Je vais mettre une flèche où ce que le rectangle, vous le voyez sûrement dans le haut, ici, maintenant reviré, Bessel est dans le bas. On va mettre la flèche près de Bessel. Tiens, le carré devant et à gauche, c'est Bessel sur cette fameuse ligne. On voit toutes les lignes, les profondeurs dans la marée de la sérénité. C'est incroyable, c'est super beau. Un autre trou ici ou profondeur avec une ligne massive qui rentre dans le sol ici au bout. Juste ici qu'on peut voir aussi. On voit beaucoup de détails. Là, on parle de où ce qu'Apollo 17 ont atterri. Regarde les trois lignes. J'ai voulu montrer ça à Silvano Trotta, mais je n'ai pas pu y montrer comme il faut. Un, deux et trois, Silvano, je vais avoir une chance de voir. C'est vraiment, vraiment là, ici en noir et blanc. Tu vois le rectangle, on voit un objet large dans le centre, ça peut être une tour. Ces trois lignes-là peuvent être connectées sur cette tour. Ça peut être télécommunication, mes amis. On regarde l'atterrissage, l'endroit supposé Apollo 17, le mont Rigueus. On va voir un ovni tantôt, et voilà un ovni transparent qui vient de passer, mais je ne sais pas, est-ce que ça se pourrait être un oiseau? Ça se pourrait. Mais le prochain que vous allez voir, c'est pas un oiseau. Les ovnis, ça existe. Il y en a beaucoup qui passent au-dessus de la Lune, sont très durs à capter, sont durs à voir. On finit la vidéo, mes chers amis. Le marais, bien sûr, de la sérénité, ici en bas à gauche, au-dessus, juste là, ce que je pointe, c'est le mont Rigueus. On vient de voir l'ovni encore passer, transparent, peut-être un oiseau. Merci tout le monde pour le grand support sur la chaîne. Il y a un infrarouge deuxième génération qui s'en vient, un investissement que je vais faire dans la génération 3 aussi. On va s'équiper comme il faut. Je vais partager tout mon travail avec vous. Continuez juste à supporter la chaîne comme vous faites. Je vous remercie beaucoup. Et merci aux nouveaux abonnés. Bon matin, la France, la Belgique. Bonne nuit, le Québec. J'imagine qu'il doit être en entour de 8h et 9h. Si vous êtes en train de regarder ceci, si vous venez de la France ou de la Belgique, bienvenue, trois lignes où ce qui sont l'endroit supposé Apollo 17 où ce qu'on atterrit. Il y a vraiment trois lignes sur la surface et les structurations, les lignes se rencontrent, se rejoignent à ici et là. Merci beaucoup pour le support, tout le monde. Une autre vidéo va suivre. Merci pour le support. Samedi, le 16 mars, heure de Paris, 7h PM, nous allons être en direct, nous allons se rencontrer. Merci